La Fédération départementale de Saint-Louis, suite au démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections territoriales prochaines du 23 janvier 2022, lance un appel à tous les citoyens, militants, sympathisants et membres de mouvements de soutien à ne ménager aucun effort pour une inscription massive sur les listes électorales. La Fédération PEDES de Saint-Louis dénonce par ailleurs la volonté manifeste du pouvoir de Macky Sall d'empêcher aux primo-votants de s'inscrire sur les listes électorales. Le pouvoir, sans aucune concertation, exige l'obtention d'abord de cartes d'identité nationale avant de pouvoir s'inscrire pour disposer de sa carte d'électeur et exprimer son droit de vote librement à l'occasion des élections prochaines. Voilà encore une méthode antidémocratique adoptée unilatéralement par les tenants du pouvoir pour tenter de confisquer le droit de vote de plus de 500 000 citoyens sénégalais ayant droit. Pour toutes les révisions antérieures, les primo-votants ne présentaient qu'un extrait de naissance et un certificat de résidence pour avoir leur carte d'électeur. Le pouvoir de Macky Sall, peur de voir tous les citoyens sénégalais disposer de leur carte d'électeur. C'est pourquoi même la durée des inscriptions a été réduite à seulement 40 jours, alors que la commission politique du dialogue national avait retenu à l'unanimité 60 jours. La Fédération départementale de Saint-Louis en appelle à l'unité de l'opposition pour sécuriser le processus électoral et pour faire face aux manipulations de l'administration par le pouvoir à des fins politiciennes. Le PEDES de Saint-Louis, plus que jamais mobilisé, est en ordre de bataille pour exiger des élections libres, régulières et transparentes. En ce qui concerne la préparation des élections locales, la Fédération départementale de Saint-Louis prévoit de procéder au lancement de la campagne au courant du mois d'août 2021, Inch'Allah. La Fédération engage ainsi tous les responsables, militants, militantes, sympathisants et membres de mouvements de soutien à s'engager résolument dans la conquête du pouvoir local dans le département, afin de soulager les souffrances des populations qui vivent dans le désarroi depuis l'arrivée des dirigeants incompétents de Benno Bokoyakar. Dans un autre registre, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, s'obstine à enregistrer cette permanence du Parti démocratique sénégalais, situé aux HLM à la place Sable, dans son vaste patrimoine immobilier établi à travers la ville de Saint-Louis depuis son arrivée au pouvoir, contrôlé par son beau-frère Macky Sall, alors qu'on ne lui connaissait aucun titre de propriété à son actif, à son arrivée à la tête de la municipalité de Saint-Louis. Comment une fille de 25 ans fut-elle la fille du maire de Saint-Louis pourrait-elle acheter avec la complicité de la SNHLM la permanence du PEDES à plusieurs dizaines de millions de francs CFA? C'est parce que, tout simplement, Mansour Faye sait mieux que quiconque que le PEDES est aujourd'hui remobilisé et est à l'assaut de toutes les collectivités territoriales dans le département de Saint-Louis. En conclusion, nous informons l'opinion nationale et saint-louisienne de ces basses manœuvres et comptons poursuivre le combat pour le triomphe du Parti démocratique sénégalais à tout point de vue. Ndax ñepp xam nañ né Parti démocratique sénégalais taxaw na taxaway bu mat seuk malgré ñuut ñaaj yi nga xamné amna ci inscription yi nga xamné ginnaw biñu joggé ci dialogue mom lañu gënël mu dindi lepp lo xamné amon nañ ko ci
code consensuel bu 92 bi nga xamni feu kebambay bokon na ci ni taxone ñu am ko li ci gëna doy war moy ci inscription yi primo votant yi nga xamni ku ci amul carte d'identité dun lay exiger en tout cas fi à Saint-Louis nga am attestation de domicile tek ci certificat de résidence tek ci extrait nga daldi dem wuti carte d'identité nationale ñu sogo la mëna inscrire ci bir liste ku ne xamna ni ci jamono Ablaye Wad extrait dong nga dan genn ak certificat de résidence dem ñu enroler la kon Macky Sall daf ñu dello ginnaw ay ati ay dizaine d'années ci ginnaw lañu dello wat ndax combat yoy rombon nañ ko te Ablaye Wad moko combattrone be am ko te ci jamono Abdou Diouf lañ ko amé won kon tay buñu tollé fi gis na ni recul démocratique bu doy war mo am en tout cas ci régime bi benen bi moy makano parti démocratique sénégalais bi mais ñi fi mujjon ñew en mission Ablaye Wad yabalon len fi ñu ñewon di xol ci nekkayu permanence bi Farba Senghor ci bopam dañ koy tuddu mo jité won délégation bi and ke ak ben UC de justice bu dekk ndar bok ci bir PDS ñu xam ko ñun ñep biñu démé ci SNHLM bu nekk ndar touru parti démocratique sénégalais lañu fekk ci bir dossier yi naka lañu def ba tour ba dañ dem ci touru kanen ba tay doomu maire de Saint-Louis né mom permanence bi lolu luñu wara lijeenti la budé ñi ngi ci pays de droit lolu nañ ko léral ba mu lér nañ ak xaaliss ba nga xamni parti démocratique sénégalais versé won nako ci touram ci bir donc kër gi tay nak génné nañu décision de justice né dañuy expulser le parti démocratique sénégalais ci permanence lolu ki mu ñëk yitel ci réew mi moy le président Macky Sall ndax mom Ablaye Wad jaar nak mom fu ne budé li yegu ko na ci taxaw nam ci wara taxawé dal di nak téy loxo Mansour Faye ndax nak ku xamul sunna ñu téy sa loxo lepp lu fi kër ci ndar mi ngi koy jënd kon buñu tollé fi ba makanu PDS bi nga xamni bi Macky Sall nekké premier ministre fi jaar na fi kon warna xamni li mënuñu ko bayyi mu jall kon nak puisque ay républicain lañu té amna fo xamni joté wuñ fa liñu mën moy djébané comme niñ ko fi waxa légui motax ñu am taxaway bi malgré les circonstances pour wané ni que le président Macky Sall warna réagir té namu gëna gaawé ndax li ñaawna ba fa ñaawyam ndax buñu jappé Ablaye Wad ay domam ñu japp ko génn ke réew mi kërëm ñu nanguko tej ay compte bancaire ci ay jamono falé ci France tay fi tay ñu top ko ay symbolam yu melna ay makanu partem ci bir réew mi ñu né dañ koy nangu diko jaayanti ci seen bir lolu ñaawna ba fa ñaaw yam kon nak nañ ko dakal ci na mu gëna gaawé bayyi parti bi mu doxal ñu ko wara doxale wassalam.